C'est un détail qui dénote dans la campagne saumuroise. Au cadre noir, concours de jeunes chevaux, Nicolas Touzin arbore un drôle de couvre-chef. Un casque de crosse pour une épreuve de dressage. Une erreur digne d'un bleu, preuve qu'envers et contre tout, le vétéran de 40 ans n'en finit pas de cravacher. Sans cesse sur les routes, pour former de futurs cracks. Personnellement, c'est ça qui me plaît. Je me satisfais énormément des médailles et des résultats, mais aussi même d'une vente avec des chevaux dans lesquels que j'ai repéré, dans lesquels je crois, que je forme, que j'éduque, et pour les amener à un niveau avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vraiment le fond de mon métier. Dressage avec le casque de crosse. C'est une première pour vous ? Oh, je pense, oui. Faut un début. Pour faire vivre son écurie, Nicolas Touzin monte une quinzaine de chevaux à l'année. Difficile dans ces conditions de se focaliser sur sa seule monture olympique. Le box qui te donne, tu le mets dedans 5 minutes, puis après on inverse. On ne peut pas malheureusement vivre uniquement du haut niveau. Donc c'est toujours beaucoup d'organisation et c'est toujours un petit peu un casse-tête financier pour essayer d'être toujours à l'équilibre. Et pourtant, Nicolas Touzin détient l'un des plus beaux palmarès français de l'équitation. En 2004, au JO d'Athènes, il décroche l'or par équipe et laisse Jean Rochefort aux commentaires sans voix. 29,60 29,60, c'est extraordinaire. Je n'en reviens pas. À Tokyo, Langevin participera à ses 6e Jeux d'affilée, à une Olympiade du record national détenu par Jeannie Longo. Une longévité exceptionnelle qui débute à Sydney en l'an 2000. Sydney à l'Australie à 20 ans, enfin, c'était vraiment pour moi un rêve complet. Je me vois encore faire des photos avec tous les grands athlètes du moment. Et pourtant, enfant, il a bien failli lâcher les rênes. J'étais plus branché par le football et le tennis. Par contre, j'aimais toujours suivre mon père en compétition. J'étais toujours passionné, mais j'avais pas très envie de monter dessus. Et puis un jour, j'ai pris confiance. Et puis après, le fait d'être encadré comme je l'étais familialement, ça m'a permis d'aller assez vite. Car dans la famille Touzin, il s'est fait un prénom, Nicolas. Son père et son oncle sont champions olympiques en 1980. Mais aux yeux de celui qui est aussi sélectionneur national, le neveu a su se rendre indispensable. On voyait que ce garçon-là avait beaucoup de talent. Et donc c'est vrai que je lui ai fait rapidement confiance. Alors au début, c'est pas facile, mais rapidement, il a montré à tout le monde de ce dont il était capable. Donc après, c'est vrai que ça faisait taire les mauvaises langues, mais c'est vrai que c'est un élément précieux dans mes équipes. J'essaie surtout de prendre du plaisir et j'essaie de profiter parce que ça fait 20 ans, même si j'ai encore quelques belles années, je pense que j'ai dépassé la moitié quand même. Donc s'il me reste 2-3 Olympiades à vivre, je vais essayer de les vivre à fond. Le gamin de Sydney, jamais rassasié. Et la relève peut être déjà assurée. Son fils, Tom, 2 ans, fait du poney toutes les semaines.